En dehors du contexte des acquisitions et des cessions, l'évaluation d'entreprise est souvent vue comme un mal nécessaire ou un passage obligé lors d'un certain nombre d'événements qui jalonnent la vie des entreprises ou de leurs actionnaires et qui souvent résultent d'obligations comptables, fiscales, juridiques. On pense par exemple à des évaluations réalisées dans des contextes d'apport en nature, de donation, de succession ou de tests comptables de réduction de valeur. Mais pourquoi ne pas voir l'évaluation de façon un peu plus noble? Pourquoi ne pas considérer la valeur comme étant un indicateur, pour ne pas dire l'indicateur, de gestion phare des entreprises? Et pourquoi dès lors ne pas poser des actes de gestion ou fixer des objectifs en fonction de leur impact sur la valeur de l'entreprise? Et ça, c'est véritablement la philosophie de ce qu'on pourrait appeler le management par la valeur. Alors les avantages pour le dirigeant actionnaire sont nombreux. Premièrement, ça maximise la valeur de sa société, dont on sait qu'elle représente souvent plus de la moitié de la valeur totale de son patrimoine. Deuxièmement, travailler sur la valeur de l'entreprise passe inévitablement par un assainissement des fondamentaux financiers, rentabilité, solvabilité, liquidité, avec tous les avantages autres que l'on peut imaginer. Troisièmement, dès lors qu'on sait que la valeur d'une entreprise dépend de sa rentabilité future et de ses perspectives futures, ça force à développer des réflexes de gestion et une vision à plus long terme, ce qui est particulièrement apprécié des entreprises familiales. Et puis cette vision-ci n'est pas uniquement capitalistique, rien n'empêche d'aligner les intérêts des collaborateurs sur ceux de l'actionnaire en envisageant par exemple des systèmes de rémunération liés à la création de valeur. Toujours est-il qu'il n'est pas rare de voir avec de tels systèmes en place des valeurs d'entreprise augmenter après quelques années de 30, 40, 50%, ce qui est tout bénéfice pour l'actionnaire, mais on vient de le dire de façon générale pour toutes les parties prenantes à l'entreprise.